Bonjour équipage. Bonjour capitaine Dallas. J'ai parlé avec maman, l'ordinateur du vaisseau, et comme certains ont pu s'en rendre compte, nous ne sommes pas encore sur Terre. On a combien de temps de la Terre? 6 mois. 6 mois? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a été réveillés? Le vaisseau a capté un signal. Un signal de détresse? Je l'ignore, Kane. On va parler de nos prix, non? Moi, j'ai pas été payé pour ça. Moi, je suis ici pour l'argent. Brett, c'est dans notre contrat. Si on n'y va pas, pas de prime. Elle a raison. Ripley a raison. On n'a pas le choix. Il faut y aller. Donc, Brett et Parker, vous allez vous occuper de l'entretien de vaisseau. Ripley va vous superviser. Ash s'occupera d'être en relation avec maman. Pendant ce temps-là, Kane, Lambert et moi, on va aller sur la planète pour voir ce qu'il y retourne. D'accord? Ok. Bien. Ok. Au boulot. Allez, on y va. On va y aller. Okay. H, tu vas fermer derrière nous, d'accord? Ok. Lambert, Kane, vous êtes prêts? Ouais. Oui. Alors on y va. Tu nous ouvres, H? Allez-y. Tout doucement, hein. On ne sait pas ce qui nous attend sur cette planète. Kane, tout va bien? Oui. Lambert? Oui. Tu me reçois? Oui. Très bien. Vous voyez ce que je vois? Mais qu'est-ce que c'est que ce vaisseau? On n'a jamais vu ça ici. Ouais, qu'est-ce que c'est? Bon, on va aller voir. On n'a pas le choix. Ok? Ok. Allez, on y va. Doucement. Et on inspecte les choses, d'accord? Je suis en dessous. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des œufs ou... Kane, qu'est-ce que vous voyez? Des œufs? Des œufs ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ça m'approche. Soyez prudent, Kane. Oui. Ah! Non, c'est bon. J'ai trébuché, c'est tout. Oh, on dirait qu'il y a une vie organique à l'intérieur. Ash, ouvre vite. Kane a quelque chose sur le visage, il faut le soigner. Non! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il a quelque chose, une espèce de parasite là, il faut le soigner vite. Il faut respecter la quarantaine, c'est pas possible de le laisser rentrer. Tais-toi, Ripley. Si jamais on le laisse ici, il va mourir. Si on le fait rentrer, on va tous mourir. Ouvrez, bon sang! Non, il en est pas question, c'est moi maintenant le commandant sur le vaisseau. Ouvrez! Merci, H. Qu'est-ce que c'est, H? Je sais pas. Ça a l'air de le maintenir en vie. C'est solidement attaché. Je vais essayer de l'inciser ici. Ok. J'incise tout doucement ici. Oh là là, c'est en train de bouffer la coque du vaisseau! Vite, arrêtez ça! Tu l'admires, H? Oui, c'est un parfait organisme. Et c'est toi qui l'as fait rentrer? Je n'ai fait qu'obéir à l'ordre du capitaine. Oui, mais en l'absence du capitaine dans le vaisseau, c'est moi qui commande. Ah oui, j'avais oublié. Ah oui, et c'est dommage, parce que c'est une erreur qui risque de nous coûter la vie à tous, à tout l'équipage. Capitaine Dallas? Oui, H? Venez à la trésorerie. Il y a quelque chose de nouveau? Oui. D'accord, j'arrive. Ah, t'es sûr qu'il est ici? Il n'a pas pu sortir de là. Bon, donc on cherche bien. Faites attention, il est peut-être encore dangereux. Ah, je regarde, attention. Doucement. Ah, vas-y. Ah ben, ça a l'air d'aller mieux. Tu te souviens de rien, mon pauvre? Je me souviens juste que j'étais dans le vaisseau bizarre dans l'espace et après, plus rien. Bon. Bah, mange doucement, t'étouffes pas. Qu'est-ce qu'il y a?
Pas mal. Au secours. Au secours. Vite. Tenez-le. 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 Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Tenez-le. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Vite. Non, ne le tue pas. Ah, mais c'est pas possible, Kay, non. Kay, non. Bon, il va falloir attraper ça rapidement avant que ça fasse des dégâts ou que ça ne blesse d'autres personnes, ok? D'accord. Donc, vous y allez tout de suite. Ok, d'accord. Mais elle est où, cette petite bestiole? Oh, moi, je sais pas. Ah, il est ici! Vite, attrape-le! Attrape-le, attrape-le! Mais non, c'est juste le chat. Oh, bon. Bah écoute, essaye de l'attraper pour pas qu'il nous fasse peur à nouveau. Ok. Jones! Jones! Minou, minou! Allez, vas-y, Jones! Allez, Jones! 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 Bon, on n'a pas énormément de solutions. Le but, ça va être d'envoyer cette créature dans la cargaison. Ok? Ok. Donc, Ripley et Parker, vous allez fermer les accès ici et les écoutilles ici. Moi, du coup, je vais passer dans le conduit aération avec ce lance-flamme. Et le but, ça va être de le chasser directement dans la cargaison. Ok ? Je suis d'accord. Je suis dans le conduit 9C. C'est bon, tu peux fermer derrière moi, Lambert ? Oui, ok, Dalet. Très bien. J'avance un peu plus. Ah bon? Oui, à 20 mètres. Je vois rien. Non, c'est sur le côté, c'est sur le côté. Je vois rien, c'est où? C'est où? Je vois rien du tout. C'est où? C'est où? Je vois rien. Non. Pas de corps, pas de sang. Et bien maintenant que j'ai accès à maman, l'ordinateur de bord du vaisseau, je vais avoir des réponses à nos questions. Maman, comment s'en sortir? Données insuffisantes. Comment éliminer l'intrus? Ordre 937, réservé officier scientifique. Quel est l'ordre 937? Priorité 1, récupérer l'organisme. L'équipage est sacrifiable. Comment la tuer? Tu ne peux pas. Ash, t'étais au courant? Oui. Et c'est toi qui l'as fait rentrer? Mais tu ne sais pas, c'est un parfait organisme. Je vais pas te laisser faire. Je vais mettre le vaisseau en autodestruction. On se retrouve dans le cockpit principal. Ramenez toutes les bonbonnes d'oxygène. C'est pour évacuer. Ok ? Faites attention à vous. Parker, Lambert ? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu ? Oh mon Dieu! Vite!
Maman, je mets en route l'autodestruction. Dans 10 minutes. Maman, je souhaite annuler l'autodestruction. Annulation impossible. Le vaisseau s'autodétruira dans H-5 minutes. Mais merde, maman! Jones, viens là, petit rouquin. Allez, au dodo. Le vaisseau se détruira dans H-15 secondes. 3e officier au rapport. Les autres membres de l'équipage, Kane, Lambert, Brett, Ash et le capitaine Dallas, sont morts. La cargaison et le vaisseau ont été détruits. Je devrais atteindre la frontière dans environ 6 semaines. Avec un peu de chance, le réseau va me localiser. C'était Ripley,
dernière survivante du Nostromo. Fin de transmission.